49, c'est le nombre de pays dans lesquels Amaris possède des locaux. Difficile dans ces conditions, comme à notre habitude dans les entrepreneurs du monde, de se contenter d'une seule zone géographique. Pourtant, il faut bien démarrer par un point de départ. Ici, pour vous, c'est Genève. Bonjour à vous, Olivier Brouran et Olivier Tisser. Vous êtes tous les deux cofondateurs donc, de Amaris. Amaris, c'est une société de conseil en technologie et de management que vous avez lancée en 2007. Vous êtes tous les deux français, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et vous l'avez créé en Suisse. Alors, en Suisse, en France, je crois, à Bruxelles. Mais pourquoi la Suisse? Pourquoi avoir démarré par là? Tout simplement parce qu'on y vivait. Oui. Voilà, donc on est de Bruxelles. On s'est installé à Genève pour une société précédente. Et puis, voilà, simplement, donc on a décidé de créer notre propre société c'est à Genève, tout simplement. Un coup du hasard. Enfin, ça aurait pu être à Bruxelles, ça aurait pu être à Paris. Ça aurait pu être à Bruxelles. Ça aurait... Ah, déjà l'international pour ouais. nous titiller. Donc, on était à Bruxelles. La Suisse présentait des similitudes, donc multiculturelles, multilinguistiques, État fédéral. Donc, ça, voilà. C'est un vrai avantage qu'on veut se lancer tout de suite, comme vous, à l'international, d'être dans un petit pays qui obligatoirement, naturellement, est poussé à aller voir au-delà de ses frontières. Après, je vais peut-être laisser de répondre là-dessus. Simplement, la Suisse est un carrefour européen, ouais. De toute façon, d'un point de vue purement géographique. Mmh. Donc, de toute façon, c'est sûr que les Suisses et la Suisse fait son business avec l'Europe. J'aimerais quand même... En fait, on a une culture, tous les deux, totalement internationale. En fait, on n'a jamais travaillé notre vie en France. D'accord. On a fait nos études en France, mm-hmm. et toi, tu as travaillé en Angleterre une partie, et en Belgique, ouais. Et si, puis après, la Suisse. Un petit passage à Paris, mais très rapidement. Ah oui, moi aussi, 3 mois, 2 mois très et demi. Rapidement. C'est vraiment les opportunités ou c'était juste vraiment... l'envie de voyager, de pouvoir être dans un autre pays, d'être en expat Alors, si je vous donne la version très honnête, c'est assez simple. Il fallait faire, à l'époque, le service militaire. Ah. Et donc, en fait, il fallait le faire à l'étranger. Ça te permettait de ne pas être à la caserne. Et donc, du coup, voilà comment, en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis retrouvé en Belgique. En Belgique, faire son service militaire, ça devait être sympa quand même. C'était en coopération au Service National d'Entreprise. L'ancêtre du VIE. L'ancêtre du VIE. Je reviens sur la Suisse. J'aimerais quand même savoir un petit peu sur cette différence qu'il peut y avoir entre nos deux pays. Moi, ce que j'entends souvent, c'est quand même une exigence qui est un peu supérieure à ce qu'on peut voir en France, même si je sais très bien qu'il y a des entreprises françaises qui ont la même exigence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue? Pour vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, ça, c'est difficile à répondre parce qu'en fait, encore une fois, en Suisse, il y a quand même beaucoup de sociétés très différentes. Il y a des sociétés qui vont être effectivement suisses, beaucoup de multinationales. La notion de qualité suisse existe vraiment. C'est pas qu'un argument marketing. Donc, il y a une vraie exigence. Il y a une notion de, pas simplement de coût, mais de performance et de qualité. Donc, quelque part, par là, oui, la Suisse est un peu exigeant. Est-ce que c'est le plus ou moins que la France? Difficile. On est présent en France, mais on n'a jamais vraiment travaillé nous-mêmes. Il y a plein d'autres pays qui sont extrêmement exigeants. On va parler simplement l'Allemagne, par exemple. Donc, c'est une particularité. Est-ce que c'est vraiment un facteur différenciant? Difficile, encore une fois, difficile de répondre. Et quand vous voyagez entre un Français et un Suisse, vous le reconnaissez tout de suite? Bon, alors déjà, il y a un peu l'accent quand même. Oui. Il y a un peu l'accent. Surtout avec des Suisses allemands. Surtout avec des Suisses allemands. Parce qu'en fait, il y a plusieurs Suisses. Oui, ouais. Bien sûr. Ça, c'est très compliqué parce que nous, on est dans un État centralisé depuis Louis XIV et toute cette histoire-là. La Suisse, un État fédéral, 26 cantons. Donc déjà, le Suisse, qu'est-ce que c'est? Un Genevois va être extrêmement différent d'un Vaudois, un Zurichois également très différent d'un Balois. C'est un pays qui s'est agrégé aussi pour se protéger des envahisseurs. Donc déjà, rien que là, culturellement, vivre, enfin, en tout cas, en tant que Français, vivre dans un pays extrêmement centralisé, avec un État quand même très puissant en France, et passer dans un État fédéral, où il y a quand même le canton, il y a la confédération, il y a une démocratie directe, effectivement, déjà, culturellement, c'est quand même très, très différent. Donc ça apporte... peut-être des gens qui ont une vision, oui, différente. Moi, je dis souvent, quand on vient en Suisse, la difficulté, c'est un peu comme la Belgique, c'est que comme les gens parlent français, par défaut, on pense que c'est un peu comme la France. Mmh. Mais souvent, il y a presque plus de différence entre parfois un Genevois et un Français qu'entre un Français et un Anglais. Non, mais sur plein de choses. Effectivement, le côté décentralisé, ouais. Avec le côté où la personne va être déjà plus acteur finalement de sa propre vie et pas forcément vouloir dépendre d'un État fort, avoir une santé, un système de santé qui est quand même à la charge de l'employé, qui n'est pas à la charge de l'employeur. Donc plein de choses comme ça qui font effectivement il y a quand même des différences majeures. Alors je reviens vers Amaris. Dès 2007, l'année du lancement, vous êtes parti à l'international, c'est-à-dire l'international pour vous c'était la France, c'était Lyon et Londres. Comment
Enfin, comment c'est arrivé le fait de pouvoir partir tout de suite à l'international? On a une culture, je vous le disais, nous on n'a jamais travaillé en fait en France. Et donc du coup l'international c'était dans nos gènes, dans notre ADN, on l'avait fait avant. Mais l'opportunité, en fait, c'est-à-dire genre il y a eu une opportunité d'affaires, c'est plus que ça, c'est plus qu'une opportunité, ça a été prévu, pensé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait la création du groupe, quand on l'a fait, on a fêté les 10 ans, c'était hier ou avant-hier. Ouais. Et en fait quand on l'a fait, on s'est dit, on souhaitait mettre en place un modèle qui était à la fois basé sur l'indépendance, qui était basé sur l'entrepreneuriat, et qui était basé sur l'international. Voilà. Donc dès le début, ça a été pensé, tout a été pensé digital, international, agile, etc. Alors c'est vrai qu'à l'époque, digital, aujourd'hui, c'est normal. Mm. À l'époque, ça a été beaucoup moins. Et international, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est assez normal finalement. À l'époque, on nous regardait quand même avec des grands yeux, hein, que ce soit les partenaires financiers, que ce soit les fournisseurs de toute nature, que ce soit... personne ne comprenait comment on pouvait être sur 6 pays. On a démarré en Espagne dès 2008, très très rapidement en fait. Bah, c'est ça que je voulais dire aussi, parce que c'est ça, l'année d'après, vous ouvrez Madrid, vous ouvrez aussi à Paris. Ouais. Donc un an après l'ouverture, vous avez même déjà recruté 100 personnes. Ouais. Enfin, juste comment ça se passe en un an quand on travaille déjà sur 4 pays avec 100 personnes, donc du management, des organisations, du process. Enfin, bon, on n'a pas de vie. Vous n'avez pas de vie. C'est ça. C'est un peu la récréation ici, en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai que, comme tout entrepreneur, je pense que le côté, effectivement, on y passe, on fait le câblage le week-end, parce qu'au départ, voilà, c'est nous qui le faisons, on fait tout, on est au four au moulin. Donc, c'est à la fois pas de vie, mais c'est là aussi à la fois une vie et une aventure. Mm. Et je pense que c'est ce qui aussi nous a poussé et nous a motivé à créer Amaris en 2007, c'était créer notre propre destin et puis d'avoir une vraie rupture avec, effectivement, des groupes côté en bourse, avec tout ce qui peut y aller derrière en termes de contraintes par rapport à ce fait d'être en bourse et de devoir soigner un certain ratio financier, par exemple. Bon, après, quand même, OK, vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas de vie, mais il y a une méthode. Vous n'aviez pas de vie, maintenant vous commencez à avoir à nouveau une vie. Il y a quand même eu une méthode, un process. Enfin, vous vous êtes fait aider, vous avez déjà toutes les compétences en interne. Comment ça s'est passé pour vous? Vous seriez quand même assez surpris, parce que si on réfléchit bien, souvent quand on fait, par exemple, on voit souvent des jeunes entrepreneurs ou quand on va dans des MBA, en fait, la première chose qu'on dit, c'est qu'on fait exactement l'opposé de ce qu'on a appris à l'école, pour la moitié des choses. C'est-à-dire? Pour prendre plein d'exemples, la première chose, c'est qu'on va vous dire qu'il faut toujours faire des études de marché sur 49 pays ou 50. On ne sait jamais, tout à l'heure, on comptait 40, 42, 50. On n'en a jamais fait une. D'accord. Jamais une seule. On fait tout nous-mêmes. On ne sous-traite pas la maîtrise de nos processus là-dedans. On va casser les codes, c'est-à-dire que pareil, normalement, on va dire, dans autant de pays, on a tout adapté. En fait, on fait la même chose de la même façon, partout. D'accord. Et ça marche pour tous les pays? Enfin, ça marche. Ça a l'air plutôt bien marché. Ça va plutôt, ouais. Donc, on a quelques échecs de temps en temps, mais globalement... On va y revenir sur ça. Ça marche plutôt, ça marche plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est basé aussi autour de quelque chose qui est la confiance. C'est quelque chose qui, chez nous, est vachement important. Et donc, la confiance, a priori, c'est quelque chose qui va permettre de faire ça. Quand on a autant de pays, on ne peut pas s'amuser à tout vérifier. Et finalement, ça correspond aussi à la génération des millennials qui passent sur ce plateau en permanence, j'imagine. Oui. Indépendance, autonomie, capacité, innovation, créativité, etc. Et ça marche plutôt pas mal pour ça. C'est étonnant, hein? Oui, c'est plutôt étonnant. Mais là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Mais très rapidement aussi, vous sortez de l'Europe et vous allez au Mexique. Et là, le Mexique, ça se passe pas forcément aussi bien, même si, au bout de 2 ans, vous allez au Mexique, on se dit que vous êtes vachement dynamique, mais ça se passe pas comme vous voulez. Je sais pas ce que vous allez me raconter, mais... Effectivement, je vous disais tout à l'heure, on fait confiance aux gens et on fait confiance a priori, et c'est le cas au Mexique, et donc on démarre, on a nos clients qui nous disent... est-ce que vous pouvez nous suivre au Mexique? Nous, évidemment, comme d'habitude, oui, bien sûr. Et donc, on se débrouille pour mettre en place ce qu'il faut. Ça marche, ça débute, etc. Ça se passe plutôt bien. Et puis, au bout d'un an, on commence à se dire, c'est bizarre, ça marche un petit peu moins bien quand même. Et on a fini au bout de à peu près un an et demi, à dire, on a commencé à perdre de l'argent, ça se passe pas très bien, on va arrêter avec le dirigeant qu'on a sur place. Puis on s'est rendu compte, par hasard, après son départ,
En fait, on a reçu une convocation à l'Assemblée Générale du restaurant qu'il avait monté avec son associé qui travaillait chez nous. Et donc pendant deux ans, enfin un an et demi, on les a payés pour monter un restaurant à côté. Ah oui. Voilà. On n'a même pas, été invité pour y manger. Qui marche, en plus, on devait voir maintenant, mais ça devient un vrai place to be. Hein. Ça marche très très bien. Très très bien. Ah. Voilà. Donc Amaris au Mexique est un restaurant. Voilà. D'accord. Non, c'est pas vrai. Les fonds que nous avons eus au Mexique sont partis dans un restaurant. Voilà. Après, entre-temps, on a remonté une activité, etc. Ouais. Mais effectivement, des fois, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Mais c'est fou, c'est-à-dire que vous avez ouvert un pays sans y être jamais allé? Non. Non, c'est exactement ça. Mais comment on l'a fait Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur les 50 pays, t'en as fait combien, toi? Je n'ai pas fait beaucoup, je n'ai dû faire même pas un tiers. Hein. L'Asie, je suis jamais allé. Toi, t'es jamais allé en Asie? Moi, je les ai fait en Asie. Inversement, même si c'est l'exception qui confirme la règle pour le Mexique, ça veut dire que vous avez fait confiance à toutes les personnes que vous avez recrutées et que ça a marché. Et que c'est aussi quelque chose d'assez... On a un contre-exemple, donc ça va. Oui, non, mais c'est ça. Par ce contre-exemple-là qu'on comprend que, justement, votre modèle économique, il est vraiment basé sur une confiance. Il y a plein de gens qu'on a déjà interviewé ici qui disent si vous voulez ouvrir un pays, il faut aller sur place, il faut comprendre l'écosystème, il faut comprendre le... Bon, après, c'était aussi des exemples comme San Francisco, mais vous, ça n'a pas été le cas, vous n'êtes pas allé dans tous les pays. Je vais même pousser le raisonnement jusqu'au bout. Je prends souvent l'exemple de la Chine, où vous avez peut-être déjà entendu parler du Guangxi. Le mot qui est, c'est le réseau. D'ailleurs, la Suisse aussi, on vous avait beaucoup dit, le réseau est très important. Mm. Donc le Guangxi, c'est le réseau en Chine. Donc si on n'a pas de réseau, ce n'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on a envoyé là-bas, pour démarrer la Chine, on a envoyé quelqu'un qui était chez nous à Lausanne, d'ailleurs, qui travaille depuis, qui devait avoir 26 ans, qu'on a envoyé là-bas, elle ne parlait pas un mot de chinois, elle n'avait jamais mis les pieds en Chine. Évidemment, le Guangxi, vous imaginez son Guangxi, hein, oui. T'avais pas égal à zéro. Et aujourd'hui, effectivement, on doit être numéro 5 ou numéro 6 du marché là-bas. Mais alors, comment est-ce que vous recrutez? C'est quoi les compétences pour que ça marche, pour que ça fonctionne chez Amaris? Je ne demande pas la recette, évidemment. Le truc, c'est qu'il n'y a pas spécialement de recette, en fait. En tout cas, il n'y a pas de... Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Il n'y a pas un secret particulier. Après, ce qu'on va rechercher, c'est quand même des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale. Pas toujours facile à détecter, c'est vrai, parce que beaucoup de gens ont envie d'être riches et célèbres. Beaucoup moins travailler. 8h jusqu'à 3h du matin. Edison disait, le génie, c'est 3% d'inspiration et 97% de transpiration. Mm. C'est un peu ça, la recette. Mm. Beaucoup de transpiration. Donc, essayez quand même de recruter des personnes qui ont fait, on va dire, un parcours académique, grande école, en tout cas en France, ça marche plutôt bien. Il y a d'autres exemples dans les universités européennes ou ailleurs, et qui ont cette envie, finalement, de créer leur intra-entreprise chez Amaris, et puis on leur apporte le support, et effectivement, avec un business model qui est assez propre et assez câblé, le business, on peut le faire en Suisse, on peut le faire en Chine, normalement, on peut le faire au Mexique, a priori. Voilà. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, le réseau, ça peut permettre d'accélérer, c'est un peu comme un catalyseur dans une réaction chimique, mais honnêtement... Ingénieur. Toi aussi, je te rappelle. Moi aussi, d'accord. Mais là, c'était pour toi, celle-là. Mais voilà, ça peut permettre d'accélérer, mais le business model, on arrive à le faire. Alors, effectivement, avec plus ou moins de rapidité, avec un succès plus ou moins rapide, mais on arrive à le faire. Donc, après, c'est de faire confiance, de recruter des jeunes personnes qui ont envie d'écrire leur propre destin et d'y aller. Alors, vous faites confiance. Parfois, ça ne marche pas au Mexique, mais souvent, très souvent, même la majorité des cas, ça marche. En Chine, au Vietnam, à Dubaï, à Singapour, à Shanghai. Malgré tout, quand même, il y a une différence interculturelle qui est réelle, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en Europe, les gens ont quand même une culture européenne. Il y a une culture européenne, donc c'est assez proche, mais... Quand on va sur d'autres continents, c'est plus du tout la même chose. Vous avez dû vivre des choses quand même que vous n'auriez jamais imaginé. Moi, ma première solitude, c'est quand un client belge m'a commencé à me tutoyer, parce que les Belges, par exemple, ont tutoiement très très facile. Et puis, au bout d'un moment, il m'a même fait la bise. Et les hommes en Belgique se font la bise, se font une bise. Donc on a toujours des fois, en tant que Français, tendance à avoir la joue qui est un peu dans le vide pour la deuxième. Donc ça, effectivement, c'est des petits moments de solitude. Mais c'est plus sur des codes, finalement, interculturels. Mais le fond du business, il est relativement le même. On vit quand même dans un monde avec les outils digitaux dont tu parlais, les frontières se cassent. Et finalement, maintenant, presque de chez soi, on commence à voir. Alors, Hollywood a été l'un des premiers. Finalement, ça a été le plan Marshall. Hollywood a envahi. Maintenant, tout le monde pense savoir comment pensent les Américains. Finalement, les élections ne montrent que pas tout à fait. Mais ça a été finalement presque la première
on va dire pas réseau social, mais façon de promouvoir une culture. Et puis maintenant, les nouveaux outils nous permettent effectivement de comprendre mieux comment les personnes réagissent. Et c'est juste ce côté interculturel qu'il faut arriver à appréhender, en fait. Et justement, vous m'avez expliqué avant que vous avez quand même vécu des choses un petit peu iconoclastes. Je pense au Vietnam. C'était quoi, entre autres ? Entre autres. Non, c'est vrai qu'il y a des différences. Je rejoins Olivier, il y a des différences culturelles qui sont parfois assez marquées. Par exemple, en Asie, la vision du futur, c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé que ce qu'on a. Donc effectivement, si par exemple, on souhaite mettre une division chez nous qui va travailler sur la prospective, la mettre au Vietnam, ce n'est pas forcément une bonne idée. En revanche, effectivement, on va avoir des contraintes. Quand on s'est installé au Vietnam, la partie paperasse et administration est extrêmement lourde, vraiment extrêmement lourde. Et on s'est retrouvé comme ça pendant un mois sans bureau. Sans bureau. Voilà. Donc en fait, c'était simple. On avait notre licence en cours de déploiement. Et on ne pouvait pas rester dans les bureaux pendant cette période-là. Sauf qu'on avait déjà 25 personnes qui travaillaient, puisqu'on avait démarré 3 mois avant. Pour nous, 3 mois avant, 25 personnes, on y allait. Oui. Et donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec 25 personnes dans la rue. Et donc, on a dû trouver des bureaux comme ça pour loger nos 25 personnes. Ah oui. Et c'est... Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que oui. C'est le genre d'expérience qui forge le caractère des gens qui sont sur place, ça soude les équipes. Et... Du coup, ils ont travaillé pendant une semaine dans un hall d'hôtel. Ah, pendant un mois, ouais. Pendant un mois. Pendant un mois, c'était en mode camping. On était des SBF sans bureau fixe. Donc, on a trouvé en faisant jouer, etc. Donc, c'était assez. Et des exemples comme ça, on en a pas mal, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, vous avez plus de 650, même plus, j'imagine, de salariés dans le monde. Comment est-ce qu'on fait pour créer des valeurs communes quand on parle avec des gens qui, ne vivent pas au même endroit, n'ont pas la même culture, comme on a pu le voir aussi, et qui ne vivent pas au même moment, le fuseau horaire, ça existe. Oui. Comment ça se passe pour vous? Bah, en fait, 2650. 2650? Ouais. Ok. Oui, 2650. En fait, vous avez raison, c'est un des enjeux qu'on a, mais c'est aussi basé sur la genèse. Quand on a démarré digital et international. Et donc, on a pensé le fait que le groupe soit mondial est basé là-dessus. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on a une télé interne, on a une application mobile pour aller signaler les informations et les diffuser là-dedans. Mmh. On va travailler sur le fait de réunir nos équipes assez régulièrement pour qu'elles se rencontrent et se connaissent. On a évidemment toutes les technologies modernes qui permettent de travailler en collaboratif. Et finalement, on va reproduire un écosystème qui est celui qu'un millennials ou voire ceux qui vont suivre après sont habitués à utiliser au quotidien. Donc finalement, il n'y a pas de problème de communiquer. Alors vous en avez un. Eh oui, que vous avez identifié, c'est le décalage horaire. Ouais, c'est ça. C'est le seul qu'on n'arrive pas entre l'Asie et les USA. C'est incompressible. Ça on n'a pas trouvé encore la solution miracle. Si vous l'avez, je la veux ça, bien. On l'a pas encore parce que on a déjà entendu d'autres entrepreneurs dont Jérôme Lecat qui travaille entre Tokyo, San Francisco et Paris et qui à un moment donné voilà explique aussi ce côté il faut prendre ça en compte. Moi j'ai une autre question derrière aussi, c'est elle ressemble à quoi votre semaine type? Alors c'est si vous voyagez pas autant que je pensais, mais quand même c'est tous les trois jours à un endroit ou... Alors, ça dépend un peu du rythme. On essaie en général, effectivement, le lundi d'être ensemble, en tout cas au moins sinon en conf call. Ça, c'est un peu, ça lance la semaine. Et puis après, dès le lundi après-midi, voilà, en l'occurrence, voilà, on peut bouger. Alors moi, je m'occupe aussi de la Suisse, donc j'ai tendance à rester en Suisse, mais Olivier... Toi, tu as combien de jours par an de déplacement? À l'heure actuelle, plus d'une centaine. Ouais, moi, 150 pour moi. Ouais. D'accord. Et ça se passe comment? Comment vous choisissez? C'est l'Europe En fait, il prend tous les trucs sympas. Ouais. Et puis, en fait, tout. Quand voilà, donc lui, il va à l'île Maurice, par exemple. D'accord. Non. C'est deux vols de nuit. Deux vols de nuit. Et vous partez où alors? C'est quoi? C'est, ouais, quand tu fais... non. C'est la Russie? C'est quoi? Non, c'est l'Asie, la même chose. Ouais, l'Asie. Ça va. Bon. Ouais, ça va. Non, et puis on n'est pas tous les deux non plus. On a la chance d'avoir un comité de direction qui est assez étendu. Donc on a pas mal de relais sur lesquels on peut s'appuyer. Heureusement, sinon c'est absolument impossible. Aujourd'hui, enfin, maintenant, vous voyagez beaucoup. Il y a aussi ce côté, vous regardez la France. La France est devenue un tout petit pays. Enfin, je m'imagine, je me mets à votre place et je vois que ça reste quand même quelque chose de très petit par rapport à tous les enjeux, à tous les pays que vous survolez. Comment est-ce que vous le voyez quand même, ce pays, la France, surtout en cette période électorale, sur des enjeux, par exemple, entrepreneurs, où clairement les choses avancent. Et de l'autre côté, d'après ce qu'on entend et d'après ce qu'on voit aussi, une classe politique qui reste, on ne va pas dire au XXe siècle, mais il y a quelque chose, une sorte de décalage pour rester le plus neutre possible. Comment est-ce que vous voyez ce pays?
Je vais peut-être répondre sur la deuxième partie qui est un peu plus compliquée. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même un bon terreau. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives en France. Je pense que ça vient effectivement de l'agent Millennium, mais également de ce qu'on peut avoir au niveau des écoles et de ce système-là, qui malgré l'évaluation PISA est plutôt pas mal. Donc il y a un vrai terreau. Maintenant, je pense que souvent en France, on est très théorique et sur des grands principes, on manque un poil de pragmatisme et de souplesse. Et il ne manquerait pas grand-chose. Donc sur la partie classe politique, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils commencent à se rendre compte qu'on risque de rater un virage parce que simplement ces entrepreneurs français qui continueront, ils iront faire les choses ailleurs. Ils ne le feront pas en France. Et ce qui est dommage. Vous n'êtes jamais en contact avec des politiques sans pour autant parler de politique politicienne, mais il n'y a pas un rapport entrepreneur-politique qui est différent en France ou dans d'autres pays? Ça n'existe pas, non? Je vous dirais que on a, en moyenne, depuis qu'on existe, on fait 80%, un peu plus de 420% de croissance par an. Donc en fait, on n'a pas non plus trop le temps. Ouais. Déjà, la gestion de la croissance nous prend déjà pas mal de temps. Ouais. Après, ce qui est amusant, je trouve, moi j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup mon pays, et je suis assez frappé de la capacité qu'on a en France à ne pas voir ce qu'on fait bien et ce qui sort plutôt de l'ordinaire, et aussi à ne pas comparer. C'est quoi, par exemple, les bonnes choses qu'on fait? Eh ben, je peux vous prendre plein d'exemples. Vous allez entendre les Français se plaindre de l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que c'est dans les plus faibles du monde. Oui. Oui. Ben oui. D'accord. Vous allez avoir, par exemple, l'absentéisme. Il faut savoir que les pays où l'absentéisme est le plus fort, nous, ça va être des pays qui sont comme Singapour, comme les États-Unis, comme le Mexique quand on y était, opérationnel. Non, non. Tous ces pays-là, la France, c'est un des pays où on a le moins d'absentéisme, par exemple. Alors, il y a des raisons. Hein, à Singapour, quand on a 10 jours de vacances, effectivement, les gens ont une tendance à être un petit peu plus malades. Oui. Voilà. Mais, quelque part, ça fait partie des idées reçues qui sont assez intéressantes. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Non. Non. Et, aussi, et on a une capacité, je ne suis pas le seul à le dire, on a une capacité à avoir en France des talents, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce, ou en université aussi d'ailleurs, mais qui vont avoir à la fois, qui vont sortir du lot parce qu'ils ont à la fois une culture basée sur les mathématiques quand même, qui est le système français par excellence, et en même temps il y a cet esprit chauvin et cet esprit de remettre en question qui fait que du coup on arrive à avoir des gens capables de remettre en cause aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors on arrive à la fin de cette émission, mais j'aimerais quand même faire une sorte de bilan et de voir aussi l'avenir pour Amaris. Aujourd'hui, alors j'ai un peu peur maintenant, je vais sortir un chiffre, mais je sens que je vais déjà être has-been. De ce que je savais, c'est vous générez 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un peu plus, c'est ça? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. À quel moment? Quel moment? Je sais pas, j'imagine il y a un an déjà, je pense que c'est déjà dépassé. Ah oui. Et c'est quoi vos prochains enjeux maintenant? Vous êtes partout dans le monde, votre business model a fait ses preuves, vous avez des valeurs communes, c'est quoi la suite? Enfin... Je te laisse répondre après, c'est Marc. Qui veut? En gros, on vient de faire une phase de 10 ans, pendant laquelle on a construit quelque chose et on s'est rendu compte que pour nous, ça nous semble assez normal. Nous, on n'a pas l'impression de faire finalement beaucoup plus que ce qu'on faisait quand on était en association étudiante ensemble. D'accord. C'est vrai. Et en fait, on s'est rendu compte finalement qu'on a réussi à ouvrir 50 pays. À part Uber, dans le monde, il n'y a aucune société qui l'a fait aussi rapidement que nous. Donc on se dit finalement, il y a quelque chose qu'on sait à peu près faire. Et donc finalement, on se dit qu'on a envie d'avoir un modèle capable d'inspirer le changement. Donc ça veut dire, pour nous, on l'a fait, on a un track record qui commence à être pas trop mal. Pour nos clients, et de leur aider, les aider finalement au travers de cette approche agile, digitale et innovante. Pour d'autres, on a monté un accélérateur notamment, qui va nous permettre de mettre à disposition de startups qui ont envie de passer et de faire un gros scale-up, passer international, de leur apporter notre infrastructure, nos moyens, nos outils. Comment il s'appelle ? Amaris Inspire. Amaris Inspire. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est un scoop, puisqu'on ne l'a pas encore annoncé nulle part ailleurs. Voilà. Et c'est un scoop chez nous, sur WeDoBiz. Exactement. Et je vous laisse alors la possibilité de conclure. J'aimerais que vous me disiez un dernier mot aux entrepreneurs français et francophones qui nous regardent et qui aimeraient faire comme vous, qui rêvent de faire comme vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je pense qu'il faut... un entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, c'est un état d'esprit. Donc, moi, je pense qu'il faut aller au bout de son envie, au bout de ses rêves. Il ne faut pas sous-estimer l'implication et le travail que ça demande. Mais après, je pense que c'est vraiment, au départ,
une envie, un chemin qu'on a envie de prendre. C'est vrai qu'en France, on dit qu'on a souvent une culture de la réussite et l'échec est pour le coup extrêmement mal vu. Pourtant, l'échec est formateur. On apprend plus son échec que de ses réussites. En tout cas, on fait un meilleur feedback. Donc, c'est vraiment d'aller au bout de ça. Et je pense qu'il y a, encore une fois, il y a un vrai terreau. En France, l'international, effectivement, un moyen de diversifier et d'aller chercher de nouveaux marchés. Et puis, on peut sortir effectivement des frontières. On peut tenter. Et maintenant, le monde dans lequel on est, avec les outils digitaux et les différents supports qu'on peut avoir, et on a quand même de la chance en France d'avoir plein de supports au niveau des États, au niveau des différents... Tu parlais du système VIE, par exemple. Il y a quand même un terreau en France qui nous permet effectivement d'être un monde entrepreneur. Eh bien, écoutez, vous voulez peut-être dire un dernier mot aussi, rajouter quelque chose ? Oui. Je dirais que pour aller jusque-là, même, beaucoup de gens confondent en fait l'esprit d'entreprendre et être entrepreneur. C'est vraiment plus compliqué que ce que les gens imaginent. Et en fait, il y a peu de gens qui sont armés pour faire ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai, se lancent là-dedans et ne sont pas prêts. Et il y aura beaucoup de déçus. Et paradoxalement, c'est-à-dire, réfléchissez bien à ce que vous faites avant. Ça a des conséquences. Et ne confondez pas être entrepreneur et le désir d'entreprendre. Le désir d'entreprendre, on peut le satisfaire sur l'entrepreneuriat, on peut le satisfaire sur des organisations qui vont matcher ça, il y en a plein. Et c'est quelque chose de... Être entrepreneur, c'est vraiment difficile, pour le coup. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. C'est difficile, mais c'est aussi grisant. En tout cas, moi, quand je vous regarde, quand je vous écoute, c'est l'impression que ça me donne. Merci à vous, Olivier Tissère et Olivier Brouran. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde. Merci à vous de nous avoir regardé, visionné. Thank you.